À Montréal, une vision jeune et actuelle du sport dans le Gonzo Show avec Stéphane Gonzalez. 91.9 Sport. Si les patins de cet espoir ont touché la glace, Snake l'a vu jouer. Simon, le Snake Boisvert. On va parler avec Simon le Snake Boisvert. Simon, comment vas-tu? Très bien, merci. Toi, Gonzo? Ben, ça va bien, ça fait un petit bout, Simon. Écoute, on se parle dans des circonstances un peu particulières. J'espère que tout va bien pour toi. Tout va bien? Oui. Bon, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu fais de tes soirées, finalement? Parce que toi, je sais que c'était des matchs à la tonne, puis c'était sur l'ordinateur, tous les circuits professionnels. Okay. Tu regardes des reprises des différentes ligues et circuits, ou? Non, pas du tout. Je fais de la lecture. OK. Alors, je me rattrape des fois dans des films et puis des émissions, des choses comme ça. Alors, non, c'est juste un petit ajustement, mais pas grand-chose, finalement. Non, t'es en période de... T'es en manque, là, présentement. Corona. Ça va être le corona, mais pas du virus. C'est bien, ça. Alors, quand ça reviendra, ça reviendra. Puis pour le moment, il n'y en a pas. Ben, on fait d'autres choses, et puis c'est tout. C'est bien. J'aime ta réponse, Simon. Avec tout ça, on a pris la décision dans le dossier Cole Caulfield. On a confirmé pour le Canadien de Montréal. Bon, Marc Bergevin l'avait dit à Mathias à son entrevue, là, il y a un petit bout. Puis là, on avait entendu également Cole Caulfield et tout le reste. Ça s'est pris. C'est quoi ta réaction sur le fait qu'il va rester une saison de plus avec les Badgers du Wisconsin? Ben, moi, c'est ce que je prônais depuis plusieurs mois. On s'en était déjà parlé. J'en parlais hier aussi samedi matin. Déjà, à distance de 2 mètres, donc, à ce moment-là, vous... What we learned is we silver haze is what they made. The bitter strain, I guess. I can't really do the numbers, but it was what it was. Talk about the pack and how we used to have this coming set. We wasn't out there in Rio, we was fly and real. And what you had was $25 and you could get shields. You ain't really know, I'm not gonna give them the whole stuff. You need the sevens or fours, we can get that too. If you didn't know it's something that's brand new, I'm gonna kick another flow. And if you gotta connect, then you might can get an O, you know. Out the P's till we out of England getting them P's. Burn this shit up and it's all debris. Few my friends dancing half the time. We would drop half a dime, 2 grams of hash, right inside the paper every single time we'd roll up on the fight night. That was most nights, but it's the right time. I would take a big handful of brown, stick it in those things that they don't even have in your car right now. That was the lighter. And if you knew back then, you could take it out and just fight her. You could stab somebody with that thing, burn them, leave a little hole, but you would throw your passion there and let it fluff. I didn't give two fucks. I used to smoke everywhere I could. That's why they call me Buddha Blaze, cause I don't give a fuck, I would. Light it everywhere I could. Yeah, it was straight. Whoa. I would be like, I would be next to the police and I would light up a joint and they'd be like, whoa. And then I would walk over here and have a pipe with me and they'd be like, don't smoke crack, that's like, whoa. Montréal, Québec, Canada, Première Nation, virus mondial, what the fuck? On veut l'antidote, on veut l'antidote, on veut l'antidote! Amen,
nos cervelles, les étudiants vont pouvoir étudier. Canada! Oh, Canada, nos caca, nos crottes de chat. Excusez-la. Wouhou! Je vais prendre ça de l'autre bord, là.